Jules, this is Ryan. Listen, on an airplane that's been hijacked, if things don't go well, I'm looking good. I just want you to know I absolutely love you. I want you to do good. So happy to sign. Same to my parents and everybody. And I just totally love you, and I'll see you in Denver. Bye, babe. Le 11 septembre 2001, j'avais seulement 3 ans, et pourtant cette date m'a marqué, comme beaucoup de personnes autour du monde. Et 20 ans plus tard, ces images n'ont jamais disparu de l'inconscient collectif. Mais depuis, nous avons eu le temps de prendre du recul, et de mieux comprendre ce qu'il s'est passé avant et après les événements. Et grâce à toutes les études et recherches effectuées, nous avons pu remplacer la mémoire par de l'histoire, et nous avons pu remplacer nos émotions par de simples faits, des données et des analyses, même si les conséquences sont encore des actualités qui apparaissent souvent aujourd'hui dans les journaux. Americans do not yet have the distance of history, but our responsibility to history is already clear. To answer these attacks and rid the world of evil. Justement, maintenant ça fait 20 ans et on l'a, ce recul historique. Et c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Avec le temps, tout le monde a pu se former des opinions, l'histoire peut avoir une version différente si on est de droite ou de gauche, et dans cette vidéo, je vais faire mon mieux pour laisser les opinions politiques et les émotions de côté, pour me concentrer sur les faits. J'ai donc fouillé dans les archives pour reconstituer cette journée historique, mais j'ai aussi essayé de comprendre comment un tel événement avait pu être possible, et surtout, quelles conséquences ça a eu sur notre monde. C'est parti. D'abord, pourquoi est-ce que le World Trade Center était si emblématique? En janvier 1964, l'architecte japonais Minoru Yamazaki présente les plans de deux énormes tours qui allaient complètement modifier la skyline new-yorkaise. Ces deux tours jumelles faisaient partie d'un projet ayant pour but de revaloriser le sud de Manhattan, imaginé dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un complexe d'environ 1 million de mètres carrés du nom de World Trade Center, le centre d'affaires mondial, comprenant 5 tours avec des bureaux et des commerces. À l'époque, elle ne faisait clairement pas l'unanimité, ce qui avait même mené à certaines protestations. Par rapport à la beauté des tours emblématiques comme le Chrysler Building ou l'Empire State Building, ces deux tours droites et rectangulaires semblaient ternir la skyline new-yorkaise. Le propriétaire de l'Empire State Building a même demandé au maire de New York de réduire leur taille pour que son gratte-ciel reste le plus haut de la ville. Malgré tout, la construction démarre en 1966, dure 7 ans, et même si les New-Yorkais trouvaient les tours jumelles assez laides lors de leur construction, elles deviennent rapidement un symbole de New York, mais surtout de la puissance américaine. Du haut de leurs 415 mètres, puis des 526 mètres après l'ajout de l'antenne sur la tour nord quelques années plus tard, elles étaient les plus hautes tours du pays, et pendant un court instant, les plus hautes tours du monde. Et ça suffit pour montrer au reste de la planète la puissance de cette nation. The observation deck at the top of the World Trade Center. If you think the view from inside is spectacular, wait till you get outside to the roof. It's breathtaking. À New York, malgré son impopularité avant sa construction, le complexe devient finalement un succès. De nombreuses entreprises y installent leurs bureaux et des milliers de visiteurs y passaient tous les jours pour profiter de tout ce que les tours avaient à offrir. Certains participent aussi à la rendre célèbre, comme Philippe Petit, funambule français ayant fait plusieurs allers-retours sur un câble entre les deux tours, sans même être attaché. Why did you do this? Just because when I see a beautiful place to put my way, I cannot resist. Le World Trade Center a redéfini la skyline, apparaît sur la plupart des publicités cherchant à promouvoir New York et dans les génériques des chaînes info, et elles sont même mises en avant dans plusieurs films. À cause de tout ça, le World Trade Center était devenu le symbole idéal de la puissance à la fois économique et culturelle des États-Unis, et en toute logique, la cible parfaite pour toute personne voulant attaquer ses valeurs. This Tuesday morning, the 11th of September, 2001. From the heart of New York City, this is the Early Show on CBS. Le 11 septembre 2001 était une journée des plus normales. Les matinales américaines parlaient de faits divers, du retour de Michael Jordan et des primaires pour les élections municipales de New York. Thank you, Tony. Good morning. I'm meteorologist Bill Evans, and our neighborhood has bright sunshine outside. Vers 8h24, les contrôleurs aériens de l'aéroport de Boston reçoivent une transmission étrange, normalement destinée aux passagers d'un Boeing d'American Airlines qui venait de partir pour Los Angeles et qui avait pris une trajectoire imprévue. Nobody move.
Grâce à cette communication et l'appel inquiétant d'une hôtesse de l'air quelques minutes plus tôt, ils ont conclu que l'avion avait été détourné. Ils informent alors les autorités pour déployer la garde nationale, mais il est trop tard. Il est 8h46 et la tour nord du World Trade Center vient d'être percutée. À ce moment-là, beaucoup pensent à un accident. We have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. A plane has just crashed into the World Trade Center here in New York City. It happened just a few moments ago. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. Le monde entier regarde, les yeux rivés sur leur télévision. Entre choc et confusion, les yeux et les caméras sont rivés sur le World Trade Center et il est impossible d'imaginer pire arriver. À l'intérieur de la tour, c'est la panique puisque les étages au-dessus et en dessous de l'impact ne possèdent aucun échappatoire. Oh non, there's a person, Tammy. Oh my God. Oh my God. Oh. Oh. There goes another person, guy. Dans le reste du bâtiment, les occupants descendent les escaliers en panique, et la plupart arrivent à fuir au plus vite. Dans la tour d'en face, les employés au travail prennent peur et décident également d'évacuer. Mais ils sont ordonnés de retourner dans leur bureau, même pour ceux qui étaient déjà descendus jusqu'au lobby. Un quart d'heure de confusion jusqu'aux alentours de 9h, quand certains voient depuis leur fenêtre un autre Boeing approcher. À ce moment-là, il n'y a plus vraiment de doute, cela ne peut pas être un hasard, il s'agit d'une attaque. Yes, that was definitely looked like it was on purpose. You saw a yes, plane? Yes, I just saw a plane go into the building. Why do you say that was definitely on purpose? Because it just flew straight into it. À 9h05, dans une école maternelle de Floride, George W. Bush est informé par un conseiller qui lui dit à l'oreille: un deuxième avion a frappé la deuxième tour, nous sommes attaqués. Pendant de longues minutes, il reste assis, sans rien dire, en feuilletant un livre pour enfants. Il faut attendre 9h29 pour que la nation entière écoute la première déclaration de leur président, qui parle depuis la Floride. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. À ce moment-là, ni le président ni ses conseillers ne sont au courant que l'horreur allait continuer et que d'autres avions avaient été détournés. And now if you join me in a moment of silence. May God bless the victims, their families, and America. Thank you very much. Quelques minutes plus tard à peine, un troisième Boeing qui était parti de Washington s'écrase sur le Pentagone, près de la capitale, siège du département de la défense et symbole militaire des États-Unis. You can see there are still these huge clouds of smoke billowing out of the Pentagon. This was no small explosion, it can be seen literally from miles. La partie ouest est alors en flammes, tuant instantanément 125 personnes se trouvant dans le bâtiment, en plus des 64 passagers de l'avion. Cette zone était en rénovation et était encore peu occupée, ce qui a limité les dégâts humains. Plus tard dans la matinée, la zone impactée s'écroule.
Quasiment au même moment, la terreur continue sur la côte est. Dans le ciel du New Jersey, le vol United 93 en direction de San Francisco avait lui aussi été détourné. L'avion étant parti en retard, les membres de l'équipage étaient au courant de ce qu'il s'était passé à New York et ils pouvaient se tenir prêts en cas d'intrusion. Mais à 9h28, une tour de contrôle à Cleveland reçoit une communication du pilote du vol 93 en panique. Quelques minutes plus tard, ils entendront même la voix d'un des terroristes lorsqu'ils tentent de communiquer avec les passagers. Les passagers ne doutent pas non plus. Ils savent très bien ce qui va leur arriver et tentent, pour une dernière fois, de communiquer avec leurs proches. Tuesday, 9:47 a.m. Hi, baby. I'm baby. You have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. And I'm so sorry, babe. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye. End of message. Dès 9h57, les contrôleurs de Cleveland entendent certains passagers se rebeller. Ces derniers avaient attaqué un des terroristes et tenté de forcer l'entrée dans le cockpit grâce à un des chariots de l'avion. Mais une fois à l'intérieur, il était trop tard, l'avion avait déjà commencé sa descente. I just saw the smoke come up and the explosion shook the house clear over here. Then they ran one into the Pentagon and into the World Trade Center and we're watching it on TV. And this one happened. À 10h03, le Boeing s'écrase dans un champ en Pennsylvanie. Sa destination était inconnue, mais certains pensent que la Maison Blanche ou le Congrès auraient pu être sa cible. Quelques minutes plus tôt, à Manhattan, les New Yorkais continuaient de fixer leurs deux tours les plus emblématiques et les fumées qui s'en échappaient. Dans les regards, on peut lire le choc, l'incompréhension, la détresse ou la tristesse. À l'intérieur des tours, ceux ayant accès aux escaliers tentent de s'échapper, aidés par les pompiers et la police. Mais pour ceux qui se trouvaient autour de la zone d'impact, il est presque impossible de sortir. Pris par les flammes et sans échappatoire, certains sont voués à mourir et préfèrent sauter dans le vide. Is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way! À 9h59, la tour sud s'effondre devant les regards effarés du monde entier, créant un immense nuage de fumée et de poussière qui vont se répandre sur plusieurs kilomètres dans les rues de Manhattan. Des centaines de victimes disparaissent et se transforment en cendres instantanément, sans qu'aucun reste ne soit jamais retrouvé d'eux. Les autres courent pour fuir cette scène apocalyptique. Le chef des pompiers ordonne d'évacuer, mais beaucoup n'ont pas pu entendre à cause de problèmes de communication et restent dans la tour nord pour sauver un maximum de personnes. Même quelques reporters prennent leur courage à deux mains et restent dans la zone pour couvrir la scène. Mais à 10h28, après s'être détériorée dans les flammes pendant 102 minutes, la tour nord s'écroule, mettant fin, ou presque, à cette longue scène d'horreur.
Une fois la fumée dissipée, la tour a bel et bien disparu. Les heures qui suivent plongent New York dans une ambiance sinistre. Le maire ordonne l'évacuation du sud de Manhattan, les ponts sont bloqués et une bonne partie de la zone est couverte de poussière et autres résidus. Pendant de longues heures, les pompiers, policiers et ambulanciers viennent au secours des victimes et continuent à chercher des survivants dans les ruines des tours jumelles. La zone des débris, que l'on connaîtra comme Ground Zero, reste comme une large cicatrice de ce à quoi les Américains viennent d'assister, même si beaucoup peinent encore à y croire. À partir de là, plus rien ne sera comme avant. God bless America. I've never seen anything like this, my dear Jesus. À 17h20, la tour 7 du World Trade Center s'écroule elle aussi, après que les flammes causées par les débris des deux tours ont ravagé les 10 premiers étages pendant 7 heures, causant le bâtiment à s'effondrer lui-même. Pendant une journée entière, toute la nation est sous le choc et vit dans la panique et la souffrance. Tous les avions sont cloués au sol, les plus grosses destinations touristiques et les parcs d'attractions ferment, et beaucoup d'Américains restent chez eux. Tout simplement, une bonne partie du pays était à l'arrêt. À 20h30, la plupart d'entre eux seront à nouveau rivés devant leur télévision, alors que George W. Bush s'adresse à la nation depuis le bureau ovale. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Il prend alors la figure du leader de la nation en tentant de rassurer les Américains. They have failed. Our country is strong. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings. But they cannot touch the foundation of America. Et ce discours, c'est peut-être le plus important de sa présidence. Dès ce moment-là, les républicains et démocrates seront derrière lui et lui feront confiance pour sortir de cette crise. We stand together to win the war against terrorism. En fait, il y a sûrement peu d'autres moments dans l'histoire où l'Amérique était autant unie. Les jours suivant le 11 septembre, George Bush atteint les 86% d'approbation et la nation entière est prise d'un patriotisme soudain, allant jusqu'au nationalisme pour certains. Mais à New York, le travail continue. Les pompiers et policiers continuent à fouiller les décombres, les soignants tentent de soigner les plus de 6000 blessés ayant rempli les hôpitaux, et les rues se remplissent d'avis de disparition posés par les familles des victimes, qui gardent espoir que leurs proches puissent, par miracle, être encore en vie. He called me several times from the World Trade Center. I just keep calling him and leaving him messages and telling him that I'm looking for him. So she's a great person, strong person. She can make it. I know she can if she just hangs in there. She's got to make it. She was wearing a white sweatshirt, blue jean pants and sneakers. We know he's there. We know he's strong. We know he can make it. So please God help him. Seules 23 personnes seront retrouvées vivantes dans les 24 heures suivant l'attentat, mais les affiches continuent à habiller les rues pendant plusieurs mois. It's like searching for a needle in a haystack at this point. It really is. And I'm just praying that everything's going to be fine. He's a very strong kid and he's a very loving person and they didn't. So we're just hoping we'll find him. Au total, 2977 personnes sont mortes, majoritairement à New York, et parmi eux, on compte principalement des civils mais aussi 344 pompiers et 71 policiers. Et à ce jour, seuls 60% d'entre eux ont pu être identifiés. It is searching for remnants and remains with dogs with special cameras trained to find a tooth, a bone, some hair. No. Owen, wait.
Il a fallu attendre un certain temps avant de pouvoir calculer ce chiffre. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, le nombre de victimes liées aux attentats continue d'augmenter. Le 11 septembre et les mois qui ont suivi, les New-Yorkais ont dû respirer des fumées toxiques contenant des milliers de contaminants, souvent cancérigènes. Nombreux sont ceux qui ont été diagnostiqués de maladies physiques et même mentales liées aux événements. Des milliers de personnes ont eu des cancers, d'autres ont été affectées sans même être sur les lieux, comme les nombreux jeunes ayant développé des syndromes de stress post-traumatique après avoir vu les images à la télévision. Et bien sûr, autour de ces chiffres, il y a les milliers de familles brisées ayant perdu leurs proches ou qui sont restées handicapées à vie. It's lonely. It's very lonely. I have like the quietest house, I think, on the planet. Et maintenant, il restait une question. Qui était responsable ? En réalité, la réponse est apparue assez rapidement. Dans la matinée du 11 septembre, alors que les attentats sont en cours, le gouvernement commence déjà à suspecter Oussama Ben Laden, à la tête d'une organisation terroriste islamiste du nom de Al-Qaïda, la base en arabe. Dans les 48 heures, le FBI identifie les 19 pirates, grâce aux descriptions des hôtesses de l'air pendant le détournement, aux réservations des vols, et en faisant des liens avec les listes de surveillance déjà établies, dont beaucoup faisaient partie. Tous appartenaient à Al-Qaïda. Il faut dire que la recherche a été assez rapide, puisqu'ils n'avaient rien fait pour cacher leur identité lorsqu'ils ont réservé et payé leur vol. Certains bagages oubliés à l'aéroport contenaient même des informations sur l'organisation des attentats. D'autres informations ont été trouvées dans les véhicules des terroristes, laissés sur les parkings des aéroports. Alors que les investigations continuent, les Américains découvrent que ceux qui viennent de les attaquer ne venaient même pas de l'extérieur, mais étaient aux États-Unis depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et pour la plupart, ils étaient là avec des visas obtenus de manière complètement légale. Après s'être rencontrés en Allemagne pour la plupart, ils sont partis à Los Angeles, puis en Floride où ils se sont installés, et ils ont pris des cours de pilotage payés en liquide. Ils s'étaient assez bien intégrés à la population, ce qui a fait certains médias prononcer cette phrase que 20 ans plus tard, on a l'impression d'avoir entendu souvent. Leurs voisins de Delray Beach les décrivent comme discrets, calmes, inséparables. C'est donc dans l'insouciance pré-11 septembre que les 19 terroristes ont pu préparer sans grande difficulté l'attentat le plus meurtrier de cette génération, sans que personne ne s'y attende et sans même avoir besoin de prendre des précautions pour cacher leur identité. Les premières images qui nous parvenaient hier après-midi étaient impensables. Ce qui est arrivé était tout simplement impensable. Une tragédie que personne n'a vu venir. Des attentats que personne n'a vu venir, ou presque. Alors à ce moment-là, c'est vrai que l'Américain lambda ne pouvait pas vraiment s'attendre à un tel acte de terreur. Mais avec du recul, on se rend compte que certains, y compris le président, pouvaient parfaitement prédire cette attaque. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il a été si facile d'identifier les responsables. En fait, Ben Laden avait presque frappé avant d'entrer. Et pour comprendre tout ça, je me suis d'abord demandé pourquoi est-ce que l'Amérique a été attaquée ? Selon George Bush, c'est tout simplement parce que... They hate our freedoms. Mais franchement, ça me paraissait un peu bateau comme explication. En réalité, tout ce qu'il dit est très simplifié, et comme souvent, la réalité est bien plus complexe. Et pour tout comprendre, revenons en arrière, longtemps en arrière, pendant la guerre froide. En 1979, les soviétiques attaquent l'Afghanistan, un pays déjà instable depuis plusieurs décennies. Des groupes rebelles se forment, composés de jeunes venant de plusieurs pays du Moyen-Orient. On les appelle les Moudjahidines, littéralement en arabe, les combattants ou résistants. Des fondamentalistes islamistes qui s'engagent dans une guerre dite sainte, que l'on connaît plus communément comme le djihad. The sole reason for our fighting against the government is Islam, and we will keep on fighting until the whole country is once again under Muslim rule. Parmi eux, on trouve un homme saoudien du nom de Oussama Ben Laden, 17e fils du multimillionnaire Mohamed Ben Laden. La famille Ben Laden ne sort pas de nulle part, en fait elle est assez proche de la famille royale saoudienne et possède plusieurs entreprises de construction au Moyen-Orient. Plusieurs frères de Oussama Ben Laden ont même déjà fait du business aux États-Unis, dont au Texas avec un certain George W. Bush, pour investir dans son entreprise pétrolière dans les années 70. Oussama, lui, avait des ambitions différentes de celles de ses 55 frères et sœurs, puisque c'est à la religion qu'il a décidé de dédier sa vie. Après 1979 donc, il recrute des jeunes pour les Moudjahidines en Afghanistan. Il envoie des combattants et utilise sa fortune pour soutenir la rébellion. Les Moudjahidines ont donc une interprétation très stricte de l'islam, beaucoup ne sont même pas d'accord entre eux d'ailleurs, mais ils se réunissent au moins sur un point, c'est qu'ils ne veulent pas laisser les soviétiques dominer le Moyen-Orient. Un pamphlet was published proclaiming that killing a communist was equal to praying 80,000 times to Allah. Et s'il y avait d'autres personnes dans le monde qui refusaient de voir les soviétiques dominer quoi que ce soit, c'est les Américains. They are mostly tribal people and they never supported accepted central control from Kabul. Les ennemis de leurs ennemis sont leurs amis. Et par conséquent, la CIA a pendant 10 ans fourni des armes et plusieurs milliards de dollars aux combattants du djihad afin de faire partir les communistes.
Ronald Reagan les appelait les combattants de la liberté. À noter tout de même qu'il n'existe aucune preuve montrant que Ben Laden aurait bénéficié de cette assistance personnellement, puisqu'il s'agissait d'un volontaire extérieur. Cela a tout de même fini par porter ses fruits, car grâce à leurs grandes ressources monétaires et à leurs armes américaines, les Mujahideen parviennent à faire fuir les Soviétiques en 1989. Le pays reste toutefois très instable par la suite et connaît de nombreuses guerres civiles, jusqu'à ce que les talibans finissent par prendre le pouvoir en 1996 et y imposer un état totalitaire. Taliban, c'est un mot qui signifie étudiant en pachto, car ils ont pour la plupart étudié la théologie dans des écoles religieuses traditionnelles. C'est un mouvement fondamentaliste islamique qui s'est développé dans les années 90 par des anciens mujahideen. Ils vont donc imposer la charia, des lois très strictes basées sur le Coran, qui impliquaient très clairement violence et grosse réduction de liberté. Par exemple, le cinéma, la musique, la télévision ont rapidement été interdits, et les femmes ont perdu le peu de droits qu'elles avaient. Et bien sûr, les punitions étaient clairement barbares. Tout ça, ça peut paraître un peu hors sujet, mais c'est essentiel pour comprendre la suite. Ben Laden, lui, a créé Al-Qaïda en 1988, peu avant la fin de la guerre donc, dans le but de continuer cette guerre sainte à l'extérieur de l'Afghanistan, en Palestine par exemple, et combattre ce qu'il considère être des ennemis de l'islam autour du monde. À ce moment-là, on comprend facilement pourquoi les États-Unis sont devenus un de leurs principaux ennemis, en raison de leur soutien à Israël. Mais ce n'est que le début. En 1990, l'Irak envahit le Koweït et les États-Unis interviennent militairement. C'est le début de la guerre du Golfe. À ce moment-là, ils utiliseront leur principal allié dans la région, l'Arabie Saoudite, pour y placer leur camp d'entraînement. Eux ne veulent pas que Saddam Hussein, le dictateur irakien, mette les mains sur leurs ressources en pétrole. Donc le deal était avantageux pour tout le monde. Mais l'Arabie Saoudite, c'est aussi le berceau de l'islam où on trouve les lieux les plus importants de la religion, comme la Mecque ou Médine. Ben Laden, en voyant les Américains, souvent chrétiens ou juifs, et même des femmes utiliser une terre qu'ils considèrent comme sacrée pour y entraîner des soldats, et exercer un mode de vie semblant si opposé aux règles islamistes, développe une haine anti-américaine encore plus poussée. Et cela va s'aggraver après la guerre du Golfe, puisque les Américains sont en fait restés en Arabie Saoudite par la suite, contrairement à ce qui avait été convenu. Ils considèrent que leur comportement est humiliant pour l'islam, et voilà une provocation. Il en veut aussi grandement à la famille royale saoudienne, qui soutiennent les Américains et qui ont refusé son offre pour que les Mujahideen combattent pour eux. Ils vont pour cette raison l'exclure de son pays natal, le poussant à s'exiler au Soudan, qui vont le soutenir pour développer ses activités terroristes. L'arrogance du régime des États-Unis a atteint le point où ils occupaient l'Arabie, le lieu le plus saint des musulmans, qui sont plus d'un billion de personnes dans le monde aujourd'hui. Pour cela, et d'autres actes d'agression et d'injustice, nous avons déclaré le jihad contre les États-Unis. Plusieurs attaques ont lieu visant principalement les Américains présents au Moyen-Orient. L'une d'entre elles a même lieu directement sur le sol américain en 1993 à New York, visant déjà le World Trade Center. Des terroristes, dont le leader avait été entraîné par Al-Qaïda, ont installé une bombe dans un van garé dans le parking souterrain de la tour Nord. Le but initial était de faire basculer la tour sur sa jumelle, causant l'effondrement des deux tours et la mort de milliers de personnes. Le plan initial a échoué, mais a tout de même causé la mort de 6 personnes et en a blessé plus de 1000. À ce moment-là, même si Ben Laden ne semble pas être le commanditaire, les intentions d'Al-Qaïda envers les États-Unis semblent assez claires. Ben Laden rédige ensuite deux fatwas contre les États-Unis, il part se réfugier en Afghanistan, et surtout il organise des attentats d'une ampleur encore jamais vue. En effet, le 7 août 1998, Al-Qaïda fait exploser deux bombes dans des ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Au total, 224 personnes sont mortes et plus de 4500 sont blessées. La guerre est alors déclarée et les Américains doublent leurs efforts pour trouver et vaincre Ben Laden, en vain. The US government has committed acts that are extremely unjust, hideous and criminal through its support of the Israeli occupation of Palestine. And we believe the US is directly responsible for those killed in Palestine, Lebanon and Iraq. Il était donc à l'époque l'une des cibles principales des agences américaines, et même si les Américains ne vivaient pas dans la même peur qu'aujourd'hui, la menace terroriste était à l'époque à son maximum. Pendant ce temps, avec Khalid Sheikh Mohammed, un des cerveaux des attaques de 1993, les attentats du 11 septembre 2001 se préparaient. Le 6 août 2001, alors en vacances dans son ranch au Texas, George Bush reçoit un document préparé par la CIA avec le titre « Ben Laden déterminé à attaquer les États-Unis ». Le document indique notamment que des membres de Al-Qaïda sont présents aux États-Unis, que certains sont des citoyens américains, que Ben Laden recrute des jeunes musulmans à New York, et indique même qu'ils ont des plans pour détourner des avions. This memorandum
provided information based on intelligence information that bin Laden had threatened to attack the United States and specifically Washington, D.C. Ce n'était pas la première alerte, bien évidemment. La CIA avait fait parvenir plusieurs documents en 2001 prévenant d'attaques imminentes de la part de Ben Laden ou Al-Qaïda. It took me 9 months to get one meeting at the cabinet level to talk about Al-Qaïda. And that meeting occurred a week before 9/11. And what happened after the meeting? Nothing. Et détourner des avions, ce n'était pas du domaine de la fantaisie. Le pays avait de nombreuses raisons de prendre ses alertes au sérieux. Dans les 30 ans précédant le 11 septembre, environ 685 détournements d'avions ont eu lieu autour du monde, dont quelques-uns aux États-Unis. Dans les années 90, l'administration de l'aviation civile se préparait pour différents scénarios dans lesquels des terroristes pourraient utiliser des avions de ligne pour en faire des bombes. À l'époque, c'était les compagnies aériennes qui se chargeaient de la sécurité à bord, pas le gouvernement. Et tant que rien de grave n'était arrivé, rien n'avait vraiment été fait pour se préparer à de tels attentats. We're sitting in the office of the administrator of the FAA, and one of the security chiefs said, "Well, look, if we had another Pan Am 103, it would cost, you know, $1 billion, $1.5 billion. But if we made aviation completely safe, it could cost $10 billion. It's not worth the investment." C'est donc dans la suite la plus logique que le 11 septembre 2001, ce qui devait arriver arriva. Ben Laden, quant à lui, a félicité les attentats, mais ne les a pas revendiqués avant 2004. Cela n'a pas empêché les Américains à le nommer comme principal suspect, étant donné qu'il était déjà recherché pour ses précédents crimes, faisant de lui l'ennemi public numéro 1. Pour George Bush, le 11 septembre change tout. Justice will be done. Alors qu'il était auparavant assez isolationniste, il décide de répondre et commence ce que l'on connaît aujourd'hui comme la guerre contre le terrorisme, pour vaincre les terroristes avant qu'ils ne les attaquent à nouveau. Tonight, the United States of America makes the following demands on the Taliban. Deliver to United States authorities all the leaders of Al-Qaeda who hide in your land. Close immediately and permanently every terrorist training camp in Afghanistan. And hand over every terrorist. These demands are not open to negotiation or discussion. Les talibans ont refusé l'ultimatum, ce qui a poussé les États-Unis, avec l'aide de l'Angleterre, à envahir le pays. We will not waver. We will not tire. We will not falter. And we will not fail. Peace and freedom will prevail. Le 7 octobre 2001, donc, l'armée bombarde plusieurs bases militaires de l'Afghanistan et déploie des centaines d'hommes sur le terrain. La guerre contre le terrorisme est officiellement commencée. America fights back. Le régime des talibans s'effondre dès mi-novembre, après seulement 2 mois donc. C'est autour de ce moment-là que Ben Laden s'exile au Pakistan, tout comme le chef des talibans, le Mollah Omar, et la plupart de ses soldats. Les Américains considèrent cependant qu'ils ne peuvent pas laisser le pays ainsi et doivent s'assurer que le terrorisme soit complètement éradiqué. Ils vont alors rester sur place pour tenter de reconstruire le gouvernement. Avec l'accord de l'OTAN, une coalition de 40 pays qui inclut la France est créée pour assurer la sécurité de l'Afghanistan mais aussi pour démanteler les réseaux terroristes sur place. Mais la guerre contre le terrorisme de George Bush est loin d'être terminée. Pendant ce temps, aux États-Unis, le gouvernement souhaite aller encore plus loin et on allait moins entendre parler de l'Afghanistan pendant un petit moment. Tonight, I want to take a few minutes to discuss a grave threat to peace. The threat comes from Iraq. D'après Bush et certains membres du gouvernement, l'Irak pourrait fournir des armes de destruction massive aux terroristes, faisant de son leader, Saddam Hussein, la prochaine menace. If we know Saddam Hussein has dangerous weapons today, and we do, does it make any sense for the world to wait to confront him as he grows even stronger? Alors effectivement, Saddam Hussein, c'est un dictateur, un tyran, et il avait été connu pour utiliser des armes chimiques contre les civils. Le génocide kurde, par exemple, en 1988, avait fait 50 000 morts. Donc, absolument personne ne contredit le fait qu'il soit inhumain. Mais depuis la fin de la guerre du Golfe, l'Irak avait reçu de nombreuses sanctions et avait été massivement désarmé par les Nations Unies. Mais Saddam Hussein lui-même laissait penser qu'il possédait ces armes de destruction massive,
car il gouvernait par la peur, et il utilisait cette tactique pour faire percevoir sa puissance au Moyen-Orient et faire reculer ses ennemis. À ce moment-là, personne ne sait si c'est vrai, mais c'est suffisant pour convaincre Bush, l'Angleterre et d'autres pays d'Europe. Weapons of mass destruction. 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 Sauf qu'en réalité, il existait littéralement zéro preuve. Il existait en fait même plus de preuves que l'Irak avait été désarmé que l'inverse. We have not found at this point actual weapons. Does not mean we've concluded there are no actual weapons. It means at this point in time that we have not yet found weapons. Certains, principalement du côté des démocrates, y sont opposés car ils ne voient aucun lien entre l'Irak et le terrorisme. Saddam Hussein n'avait rien à voir avec Al-Qaïda et avec les attaques, et s'il est vrai que c'était un tyran, ils argumentaient qu'il en existait plein d'autres dans le monde sans que les États-Unis n'interviennent pour autant pour y instaurer la démocratie. L'Irak est situé à plus de 1000 km de l'Afghanistan, ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas la même langue, il n'y a aucun rapport entre les deux et c'était assez difficile de trouver un lien avec Al-Qaïda. Les autres argumentaient que la preuve arriverait quand elle sera trop tard, une fois que les États-Unis seront en ruine après une prochaine attaque. Ils ne souhaitent donc pas attaquer l'Irak car ils sont liés au 11 septembre, mais car ils ont peur qu'ils soient à l'origine du prochain 11 septembre. Instead of drifting along toward tragedy, we will set a course toward safety. Before the day of horror can come, before it is too late to act, this danger will be removed. Pris par la peur et toutes les autres émotions causées par les attentats, beaucoup d'Américains font confiance au gouvernement et soutiennent une potentielle guerre en Irak. Bush donne alors un ultimatum aux Irakiens. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. Bien évidemment, ça a été refusé, ce qui nous mène au 19 mars 2003. It was just over 90 minutes beyond President Bush's deadline for Saddam Hussein to leave Iraq that US warships and planes launched the opening salvo of Operation Iraqi Freedom. Les États-Unis envahissent donc l'Irak, aidés par les Anglais et une poignée de pays, mais avec beaucoup moins de soutien que pour l'Afghanistan. L'opinion publique, toujours prise par l'émotion, reste tout de même majoritairement pour et les médias sortent des bandeaux « Opération Liberté en Irak » remplis de fierté et de patriotisme. Pour l'anecdote, la France, présidée par Jacques Chirac, refuse de suivre les États-Unis en Irak et c'est une des raisons pour lesquelles les Français ont été très longtemps mal vus aux États-Unis par une partie de la population, qui à ce moment-là était encore plus patriote que d'habitude. Sur l'Irak, je vous rassure, en ce qui concerne les relations entre les États-Unis et la France, elles sont bonnes et le resteront. Mais elles ne sont pas fondées sur l'idée que les États-Unis ont toujours raison et qu'il suffit d'approuver ce qu'ils disent ou ce qu'ils font pour être dans le vrai. La guerre est toujours la pire des solutions. Et en réalité, le patriotisme, c'était peut-être une des principales raisons pour laquelle les États-Unis ont attaqué l'Irak. Alors qu'il était presque impossible de démanteler Al-Qaïda, dont les membres étaient inconnus et qui étaient cachés dans des lieux secrets, Saddam Hussein était la cible idéale pour être désigné comme grand méchant dictateur, dangereux pour les États-Unis. D'un point de vue symbolique, cela paraissait être la meilleure réponse au 11 septembre pour que l'Amérique paraisse triomphante et glorieuse, alors qu'elle n'avait jamais été autant blessée. Alors pris par les émotions, le choc et la peur, les Américains voulaient avoir l'air de héros capables de se relever après le pire. Et la guerre en Irak semblait être la meilleure solution. Cela s'est vu notamment en mai 2003, peu de temps après avoir pris Bagdad, lors d'un discours du président aux allures ultra-patriotiques sur un porte-avions avec une affiche « Mission accomplie ». Mais la mission était loin d'être accomplie, la coalition devait maintenant reconstruire l'Irak, et ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Après avoir capturé Saddam Hussein en décembre 2003, les combats continuent dans le reste du pays contre des opposants. Et si les Américains veulent se voir comme des libérateurs qui apportent la démocratie, ils étaient plutôt vus sur place comme des envahisseurs. La coalition tente de reformer un nouveau gouvernement et va notamment démanteler l'armée, afin de se débarrasser de tout ce qui pouvait avoir un rapport avec Saddam Hussein. La nouvelle armée sera notamment interdite aux sunnis, population minoritaire en Irak, mais qui dominait le pays quand Saddam Hussein était au pouvoir. Les anciens soldats sunnis se retrouvent alors sans emploi, ils voient les Américains comme principaux responsables et vont développer une haine contre l'Occident. Beaucoup vont rejoindre des groupes rebelles opposés à la domination américaine, dont un portant le nom de Al-Qaïda en Irak. N'oublions pas que la plupart de ses membres sont d'anciens soldats, donc très bien formés, et ils vont mener une guerre civile qui prolongera les combats en Irak. Malgré le nouveau gouvernement formé, le pays reste très instable et devient rapidement chaotique. L'Irak, qui semblait n'avoir aucun lien avec le terrorisme auparavant, a fini par devenir un refuge pour les terroristes islamistes.
Finalement, les Irakiens n'ont jamais été libérés de quoi que ce soit et aucune arme de destruction massive n'a été trouvée. Les États-Unis quitteront l'Irak en 2011 après avoir dépensé près de 2 trillions de dollars selon les dernières estimations et le prix continue à augmenter à cause des hauts intérêts sur l'argent emprunté. Finalement, le seul intérêt qu'auront pu trouver les Américains, c'est le pétrole qui a pu être puisé sur place, mais vu le prix de la guerre, pas sûr que cela soit rentable. Les Irakiens, eux, inutile de le dire, ont tout perdu et en souffrent encore aujourd'hui. La guerre en Irak, c'est une guerre durant laquelle 4500 militaires américains ont perdu la vie, sans même compter les milliers qui ont été blessés physiquement et psychologiquement, avec de nombreuses amputations. Ces soldats, pour la plupart, étaient de jeunes Américains sans emploi qui s'étaient engagés dans l'armée pour avoir un salaire, d'autres voulaient financer leurs études, et certains étaient des patriotes prêts à tout pour aider leur patrie. À la fin de la guerre, la majorité a fini par penser qu'il s'agissait d'une erreur. Entre les bombardements des Américains et la terreur menée par les groupes terroristes, les civils ont aussi vécu constamment dans la peur, et entre 184 000 et 207 000 d'entre eux en sont morts de manière violente, selon les estimations. Mais le décompte est si imprécis que le chiffre est très probablement bien plus élevé. Et je ne parle même pas de tous les dommages collatéraux, qui sont pratiquement incalculables, et continuent d'avoir des conséquences dans la vie de centaines de milliers d'Irakiens pendant très longtemps. Le pays, lui, a été ravagé économiquement et politiquement, avec un gouvernement bien trop faible. Les restes de Al-Qaïda forment un nouveau groupe du nom de Daesh, ou État islamique en français. Et ils ont bien sûr profité de la faiblesse et l'instabilité du gouvernement. Avec des attaques violentes, ils finissent par contrôler près de 40% du pays. Avec des ambitions encore plus poussées que Al-Qaïda, ils lancent une guerre sainte pour dominer une partie du monde. Ils s'avèrent être encore plus violents et sans limite, et recrutent des milliers de musulmans venus du Moyen-Orient ou d'Europe. On entre maintenant dans de l'histoire très contemporaine, voire même de l'actualité, dont on a tous entendu parler. Si la menace de Daesh est maintenant bien plus faible qu'autrefois, elle aura demandé des efforts considérables pour la combattre et aura laissé place à des années de terreur contre des innocents, tout en ayant complètement changé la nature du terrorisme. ISIL is a direct outgrowth of Al-Qaïda in Iraq. That grew out of our invasion, which is an example of unintended consequences, which is why we should generally aim before we shoot. Mais pendant ce temps, les combats se poursuivaient en Afghanistan, car si la chute des talibans en 2001 semblait être une bonne nouvelle, il en restait en réalité beaucoup sur le territoire, et de nombreuses milices restées sur place étaient prêtes à tout pour faire partir les Américains. Si les conflits étaient moins intenses qu'auparavant, notamment car les États-Unis avaient concentré leurs troupes sur l'Irak, le pays reste encore instable et doit faire face aux nombreux combats violents entre l'armée et les talibans. Le 1er mai 2011, après une chasse à l'homme de près de 10 ans, Barack Obama annonce la mort de Oussama Ben Laden, qui a été tué au Pakistan par un commando des forces spéciales de la marine. Justice has been done. Un symbole fort pour le pays, mais qui ne signifie pas pour autant le début d'une nouvelle ère. Il est vrai que c'est au même moment que Obama décide d'entamer le retrait des soldats, mais il va finalement en envoyer plusieurs milliers sur place alors que les tensions augmentaient. La guerre devient de plus en plus impopulaire, à la fois aux États-Unis où les Américains ne voient plus l'intérêt de cette guerre interminable et coûteuse, qu'en Afghanistan, où certains habitants se plaignent des comportements abusifs de certains soldats américains. La mission américaine est toutefois terminée en 2014, mais les troupes restent sur place pour entraîner la nouvelle armée afghane et préparer leur départ. Les autres soldats de la coalition quittent le pays, dont la France, après avoir perdu 90 soldats. Les États-Unis n'ont finalement jamais réussi à éradiquer les talibans et ont signé un traité de paix avec eux en 2020 sous la présidence de Donald Trump. We've had tremendous success in Afghanistan in the killing of terrorists, but it's time. After all these years to go and to bring our people back home. Les troupes doivent alors partir, contre quoi les talibans devraient s'assurer que l'Afghanistan ne devienne pas un nouveau refuge pour les terroristes. En réalité, les talibans avaient seulement changé leur tactique après le traité de paix, mais n'avaient pas cessé la terreur pour autant. Joe Biden, lui, confirme que les Américains auront entièrement quitté le pays avant le 11 septembre 2021, une date anniversaire symbolique pour cette guerre de 20 ans, la plus longue de l'histoire des États-Unis. We went to Afghanistan because of a horrific attack that happened 20 years ago. That cannot explain why we should remain there in 2021.
Cependant, les talibans continuent à répandre la terreur dans les petits villages, et alors que les Américains se préparent à partir, ils continuent à gagner du terrain et à conquérir de plus en plus de territoire en quelques semaines seulement. C'était pas vraiment une surprise parce que c'était la crainte de la plupart des experts, mais très peu de gens s'attendaient à ce que ça arrive aussi rapidement. La suite, vous la connaissez, bien que cela soit historique, ce n'est pas encore de l'histoire, mais de l'actualité, on ne peut plus fraîche. The Taliban is seizing control of more and more territory. The Taliban are back. Kabul is falling now. The Taliban are now in complete control of Afghanistan. Afghanistan's president fled the country. Scores of Taliban fighters, and just behind us, the US embassy compound. The Taliban banned salons, along with education for women and girls. They've just told me to stand to the side because I'm a woman. There are also reports of atrocities, including abductions, rape, and executions. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. Afghans are thronging to Kabul's airport, desperate to get on planes and leave the country. Les derniers soldats américains auront complètement quitté le pays le 30 août, jour historique, que les talibans ont célébré comme une victoire contre les Américains. Environ 2500 soldats américains sont morts pendant cette guerre. 70 000 soldats afghans des forces alliées ont perdu la vie, tout comme plus de 72 000 civils. Ces derniers, qui incluent bien sûr des femmes ou des enfants, ont été tués par les frappes aériennes américaines, qui ont augmenté de plus de 300% depuis 2017, ou encore par les talibans ou par des milices armées par les Américains. Mais comme souvent dans ce type de conflit, les estimations sont très basses, et beaucoup meurent dans l'ignorance la plus totale, ne devenant qu'un cadavre de plus dans les fosses communes. Mais l'impact de ces guerres ne se compte pas seulement en nombre de morts. Il y a aussi des dommages collatéraux, comme les dizaines de millions de personnes qui ont dû migrer en dehors de leur pays, ceux qui sont tombés dans l'extrême pauvreté, les syndromes de stress post-traumatique, et j'en passe. Alors oui, certaines zones du pays avaient gagné en stabilité, et la qualité de vie de certains s'était améliorée depuis la chute des talibans, les filles avaient le droit d'aller à l'école par exemple, et les femmes avaient regagné quelques libertés, mais dès la fin de la guerre, le pays est revenu exactement là où il était. L'opinion est aujourd'hui divisée aux États-Unis avec ceux qui pensent qu'il était temps que cette guerre se termine, et qu'il n'y a de toute manière plus rien à faire. Et les autres, qui en voyant les horreurs sur place, considèrent que l'armée aurait pu faire plus pour assister les Afghans et repousser les talibans. Le président, lui, reste fidèle à sa décision et ne regrette rien. I believe this is the right decision, a wise decision, and the best decision for America. Dans tous les cas, très peu le voient d'une autre manière qu'un échec. Et si certains se disent que cela aura pu apporter quelques années de liberté au peuple afghan, d'autres se disent que la guerre n'aura finalement pas servi à grand-chose. Alors si ces guerres ont été utiles, ce n'est pas vraiment à moi de le dire, car on ne peut pas savoir ce qu'il se serait passé dans un univers parallèle. Mais ce que l'on sait, c'est que la guerre contre le terrorisme a bien été perdue par les États-Unis. Il y a aujourd'hui 4 fois plus d'organisations terroristes qu'il n'y en avait en 2001. Et si les États-Unis ont pu obtenir leur revanche en tuant Ben Laden, Al-Qaïda existe toujours. Et surtout, les organisations terroristes restent très proches des talibans, et beaucoup craignent que leur prise de pouvoir mène à de nouvelles attaques qui arriveraient prochainement. Et l'attentat de l'aéroport de Kaboul le 26 août qui a fait 182 victimes confirme cette peur. Et la réaction du président américain nous ramènerait presque en 2001. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. Voilà, la boucle est bouclée. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Mais je n'ai pas terminé, car si les événements au Moyen-Orient ont été la conséquence directe du 11 septembre, les attentats ont aussi changé beaucoup de choses aux États-Unis et même en Europe. Le 11 septembre a été un événement charnière dans notre monde. La manière dont on prend l'avion, les lois migratoires, les lois sur la surveillance, de nombreuses nouvelles lois pour assurer la sécurité et la défense du pays sont apparues, quitte à sacrifier quelques libertés, poussées notamment par le fait que les attentats n'avaient pas pu être prévenus. Bush va notamment créer le Department of Homeland Security, un nouveau ministère chargé d'empêcher tout acte terroriste futur. C'est notamment cette loi qui a permis la création d'une police de l'immigration, ayant mené à la déportation de millions d'immigrants illégaux, parfois dans des conditions inhumaines.
C'est une agence très controversée aux États-Unis encore aujourd'hui, où beaucoup ne veulent pas faire l'amalgame entre terroristes et migrants. Mais pour empêcher un nouveau 11 septembre, beaucoup d'Américains, notamment du côté républicain, veulent zéro tolérance sur l'immigration. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point du jour au lendemain, les mentalités sur l'immigration et la sécurité ont complètement changé. Mais cela a mené à une vague de xénophobie envers les musulmans aux États-Unis. De nombreuses attaques ont eu lieu contre eux, plusieurs centaines rien qu'en 2001. Et cela concernait aussi toute personne semblant être originaire du Moyen-Orient ou ayant une barbe un peu trop longue. Ils sont rapidement devenus un bouc émissaire et les discours racistes se sont normalisés, souvent remplis de clichés. Les contrôles aux faciès se sont aussi généralisés et beaucoup de musulmans ont été surveillés sans raison valable. After 9/11, I don't feel like I'm being treated like a normal American. Un sondage de 2017 montrait que la moitié des musulmans aux États-Unis trouvaient la vie plus difficile depuis le 11 septembre. I think Islam hates us. Mais le 11 septembre mène surtout à la création du Patriot Act, créé quelques semaines après les attentats, et adopté dans la foulée. C'est une loi de 300 pages qui permet notamment une surveillance plus poussée pour trouver les terroristes plus facilement, mais aussi de bloquer leurs différents moyens de financement, tout en limitant les démarches administratives en cas de suspicion. La loi concrètement va donner plus de pouvoir aux agences gouvernementales en termes de surveillance, en donnant plus facilement accès les historiques d'appels ou les mails des Américains, ou alors d'obtenir d'autres données personnelles, le tout sans aucun mandat ni autorisation. Cela va par exemple donner accès aux transactions bancaires d'un individu, son historique internet et bien plus. The USA Patriot Act allows for searches of medical and financial records, computer and telephone conversations, and even for the books you take out of the library. But most of the people we spoke to say they're willing to give up some liberties to fight terrorism. Maybe that's a good thing. It's definitely sad, but it has to be done. Tout ce qu'il fallait, c'est un léger doute sur la personne concernant des activités liées au terrorisme. Et justement, c'est là que ça pose problème. Parce que dans ce cas précis, il y a une question très importante qui se pose. C'est quoi un terroriste? La loi ne donnant pas de limite particulière concernant ce terme, n'importe quelle personne pourrait être surveillée s'il y a le moindre doute, même infondé. Et dans la paranoïa du 11 septembre, c'était assez facile d'être considéré suspect. Either you are with us, or you are with the terrorists. En gros, tout le monde était coupable jusqu'à prouver innocent. La loi a tout de même été adoptée dès sa présentation, sans aucun débat, autant par les démocrates que les républicains. En réalité, le contexte a fait que la majorité des sénateurs et des représentants se sont précipités sans trop se poser de questions. Beaucoup n'ont d'ailleurs même pas lu le texte. How could Congress pass this Patriot Act without even reading it? Sit down, my son. We don't read most of the bills. Do you really know what that would entail if we were to read every bill that we pass? La loi était censée être temporaire et levée après quelques années, mais elle a été étendue à chaque fois, parfois avec des nouveautés en termes de surveillance. Et comme on a pu s'y attendre, il y a eu des conséquences. En 2013, un ancien employé de la NSA, Edward Snowden, a choqué le monde en révélant les dérives du gouvernement. Il révèle que la NSA a effectivement pu écouter de nombreuses conversations de personnes n'ayant aucun rapport avec le terrorisme. Ils étaient soit innocents, soit responsables de petits crimes. Ils ont aussi pu écouter les conversations de 35 dirigeants internationaux. Even if you're not doing anything wrong, you're being watched and recorded, and the storage capability of these systems increases every year. Alors oui, il est vrai qu'à première vue, cela pouvait sembler nécessaire de renforcer la sécurité aux États-Unis, puisque les attentats auraient peut-être pu être évités, mais il y a eu de nombreux abus et encore aujourd'hui, il n'existe pas vraiment de preuves concernant l'efficacité de ces lois pour éviter de potentiels attentats, car toutes les études se contredisent. Le FBI a aussi pu utiliser le Patriot Act pour condamner des suspects qui se sont avérés être innocents. Le pire exemple, c'est dans la prison de Guantanamo Bay, près de Cuba, ouverte en 2002. Des centaines de personnes y ont été envoyées sans même être jugées. La plupart venaient d'Afghanistan, et ça suffisait pour être suspectés de terrorisme. Ils sont détenus dans des conditions complètement inhumaines, car la prison échappe aux lois fédérales, ce qui permet un traitement horrible qui inclut l'utilisation de la torture physique et psychologique. Beaucoup d'entre eux se sont avérés être innocents, et l'un d'entre eux avait même la nationalité américaine. La prison existe toujours, avec une quarantaine de détenus. À Guantanamo, à la base, il y a deux sortes de souffrances, soit physique ou psychologique. La plus grave, bien sûr, c'est la psychologique, parce qu'on est enfermé 24 heures sur 24 dans cette cage, et c'est l'incertitude de l'avenir. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On est enfermé, on n'a aucune nouvelle, on ne sait pas, on n'a aucune information sur la raison pour laquelle on est détenu et combien de temps ça va durer. Depuis mi-2020, le Patriot Act est officiellement expiré, mais un vote pour le réautoriser devrait avoir lieu plus tard cette année. Et les enquêtes en cours qui avaient été rendues possibles par cette loi ne sont, elles, pas suspendues.
Et tout cela, ce n'est que quelques exemples de l'impact du 11 septembre sur notre monde. Notre quotidien aussi a changé, ne serait-ce que pour voyager. Le gouvernement a créé une agence fédérale responsable de la sécurité dans les aéroports, qui a complètement changé la manière dont nous prenons l'avion, et qui s'est étendue dans d'autres pays par la suite. D'ailleurs, la sécurité n'est pas de prime seulement dans les aéroports. Pour entrer dans un bâtiment d'une entreprise ou pour visiter un monument, les contrôles de sécurité sont devenus normaux. Mais tout cela n'existait presque pas avant le 11 septembre. À partir de cette date, nous sommes entrés dans une nouvelle ère et une nouvelle culture où l'on pouvait se sentir menacé tous les jours. Fini l'insouciance des années 90, la peur des années 2000 allait complètement changer notre monde et c'est devenu le nouveau normal. Et 20 ans plus tard, avec toutes ces lois de surveillance plus controversées que jamais, et la guerre en Afghanistan terminée, nous entrons peut-être dans une nouvelle ère, que l'on pourra analyser quand on aura pris plus de recul, dans 20 ans. Cette vidéo n'avait aucunement l'intention de définir qui est bon ou mauvais dans l'histoire. Je ne cherche pas à défendre, justifier, incriminer ou dénoncer quoi que ce soit, mais simplement expliquer. Ne laissons pas nos émotions ou nos opinions politiques juger quelle vie a plus de valeur qu'une autre, et tentons simplement de penser à toutes ces vies perdues, à leurs proches et à tous ceux qui ont été affectés de près ou de loin par ces attentats tragiques et ces guerres meurtrières. Cette vidéo est sortie pour commémorer les 20 ans du 11 septembre, pour se souvenir mais surtout comprendre cette date que l'on ne devrait jamais oublier. D'abord pour ces nombreuses victimes, mais aussi pour se rappeler que cette date n'est pas juste un point parmi les autres sur une frise chronologique. Mais surtout, ce sont 102 minutes qui auront bouleversé le monde pour toujours et des millions de personnes sur Terre qui ont été affectées. Et c'est tout ça que symbolisent les fantômes des Twin Towers, qui illumine le ciel de New York tous les 11 septembre depuis 20 ans.